Top 5 des raisons de penser que 2023 sera pire que 2022. La participation de Houellebecq à un film pornographique. Contre toute attente, l'écrivain français Michel Houellebecq va faire sa première apparition dans un film pornographique. Gérard Darmanin et son accusation de viol. Sophie Patterson-Spatz accuse le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, de viol. L'accusé a demandé une relation sexuelle en échange de son soutien dans une affaire judiciaire. Plus de petites mascottes pour M&M's. Célèbre pour ses confiseries et non pour ses positions politiques, la marque américaine M&M's a été accusée de wokisme par la droite conservatrice américaine. Des Américains qui brûlent des livres hérétiques. Plusieurs Américains ont commencé à faire de grands autodafés, où ils brûlent des livres célèbres jugés hérétiques. Le séisme en Turquie et en Syrie. L'événement qui a le plus bouleversé le monde depuis le début de cette année est bien évidemment le tremblement de terre tragique qui a frappé la Turquie et une partie de la Syrie.